Alors nous avons vu que euh, des monomères, des blocs pouvaient se former entre eux pour former une structure beaucoup plus grosse qu'une grosse molécule qu'on appelait euh, un polymère. Alors quand cette, ce polymère devient vraiment très très important, on parle d'une grosse molécule, on va parler ici d'une macromolécule. On va voir ensemble ce que c'est. Donc Souvenez-vous, on avait vu que pour parler de molécules, j'avais parlé de, de blocs de construction. Donc ce bloc de construction, une unité euh, qu'on appelle un monomère, lorsqu'il s'assemble après une réaction de polymérisation, on peut former une, une structure beaucoup plus grande qu'on appelle un polymère. Alors ce polymère il va dépendre du nombre de fois que cette, euh, cette unité, ce monomère, se répète. On va le mettre entre parenthèses, le nombre de fois qu'il se répète, c'est n, le degré de polymérisation ou l'indice de polymérisation. Quand cet indice est supérieur à 100, voire plus 1000 ou encore plus grand. On va parler d'une macromolécule, donc d'une très grosse molécule. Alors, ces macromolécules peuvent être naturelles ou synthétiques. Alors, dans le cas des, des macromolécules naturelles, euh, c'est-à-dire qui sont produites par des êtres vivants, par notre organisme, on retrouve chez les végétaux ben, la cellulose qui permet de faire le papier. Donc, c'est euh, des monomères de glucose qui vont s'assembler. Pour former un, un polymère, la cellulose, donc il va se répéter de manière très importante. L'amidon, qui, qui est une source d'énergie chez les végétaux, donc par exemple dans la pomme de terre, c'est pour ça que j'ai représenté des frites ici. Donc la pomme de terre contient beaucoup d'amidon, qui est une source d'énergie. C'est également des monomères de glucose qui vont s'assembler entre eux. Et les protéines, donc par exemple, très riches dans le, le blanc d'œuf ici, les protéines sont aussi des macromolécules formées par l'assemblage de, euh, de monomères qu'on appelle ici des acides aminés. Donc les acides aminés s'assemblent pour former cette grande molécule. L'ADN, par exemple, est une autre macromolécule, donc une répétition de nucléotides euh, qui formera une longue chaîne d'ADN. Donc ça, c'est au niveau naturel. Alors, certaines molécules, certaines macromolécules sont produites en laboratoire, c'est-à-dire qu'on ne les trouve pas naturellement, il faut les produire après une réaction de polymérisation en laboratoire. C'est le cas, par exemple, des plastiques. Donc, le plastique dur pour les blocs de construction, le, le plastique utilisé pour faire des sacs ou encore des bouteilles de, de boissons. Donc, elles n'existent pas à l'état naturel, ce sont des matières qui sont produites en laboratoire et qui nous sont très utiles tous les jours. Alors, prenons ici un exemple de de macromolécules synthétiques produites en laboratoire, c'est le polyéthylène, qu'on appelle également PE, et qui sert donc à faire des sacs en plastique ou des bouteilles en plastique. Donc en fait, le polyéthylène, ce plastique, est produit à partir de monomères euh, d'éthylène. Donc cette molécule d'éthylène, qui est un alcène, donc on voit qu'il y a deux carbones et quatre hydrogènes, les deux carbones sont reliés par une double liaison ici, et en fait, ces, ces molécules d'éthylène peuvent réagir entre elles pour former une seule structure beaucoup plus grande qu'on appelle le polyéthylène. Alors ce qui est important de noter également, c'est qu'on voit qu'on a un alcène au départ, donc l'éthylène, avec une double liaison au niveau des carbones. Ces liaisons vont se casser pour se former entre elles, donc entre les autres molécules d'éthylène. C'est pour ça qu'ici, on n'obtient plus qu'une simple liaison. Euh, il a fallu casser ces liaisons pour coller ces deux molécules ensemble. Alors on peut les représenter en 3D avec des modèles de, de boules et bâtons par exemple, ou juste des boules ici, où les carbones sont en noir et les hydrogènes sont en blanc. On voit bien ici la double liaison. Et puis après euh, réaction de polymérisation, une grande structure qui euh, se répète de manière très importante, et qui va former une grosse macromolécule. Donc on voit ici notre chaîne euh, de polyéthylène. Alors on voit qu'on euh, a une réaction ici de polyaddition, ce, ce monomère se répète de manière indéfinie pour former notre structure. Alors on peut le noter comme ceci, donc, euh, notre molécule d'éthylène, avec l'indice de degré de polymérisation, euh, va former après réaction bah, cette répétition-ci. Donc on voit notre, notre, euh, notre morceau, notre sous-unité de polyéthylène qui est répétée un nombre n de fois. Donc dans notre exemple ici, on voit qu'il y en a 3 au début, donc on peut noter 3 ici, et une, deux, trois fois répétées, on ne va pas compter celui-ci, donc on peut mettre 3 également ici à côté. Donc on voit que notre molécule, notre polyéthylène, a une structure un peu différente par rapport à notre éthylène de départ. Donc ça c'est le cas de polyaddition dans une macromolécule synthétique. Alors voyons ici la production d'amidon à partir de glucose, monomère de glucose. Donc là c'est une macromolécule naturelle qui va être produite. Alors, notre glucose, il est, euh, la formule de notre glucose c'est C6H12O6. Alors chose importante ici, on va le représenter en trois dimensions sous cet aspect-ci. Donc en fait, notre molécule de glucose forme un cycle, ça forme une sorte de rond comme ça, où l'arrière est représenté par une ligne fine et l'avant par une ligne noire plus épaisse. Donc euh, à chaque point entre les, les, les liaisons ici, on va trouver un carbone. Quand euh, euh, ce n'est pas un carbone, on le met un autre atome, par exemple ici d'oxygène. Alors nos carbones sont annotés. Donc on commence par le carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien 6 carbones. Euh, si on regarde nos oxygènes, donc nos, nos atomes d'oxygène, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien 6 atomes d'oxygène et 12 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça correspond bien à notre formule ici. Alors, ce monomère de glucose peut réagir avec un autre monomère de glucose. Et donc, se répéter de manière euh, importante de fois pour former une structure beaucoup plus grande qu'on appelle l'amidon, et qui est en fait une longue, euh, une longue structure de glucose. Donc, ça forme des, des longs filaments comme ceux-ci qui sont euh, solides et qui sont source d'énergie pour nos végétaux. Alors, si on veut représenter euh, notre réaction, on va mettre N molécule ici de n monomères de glucose qui après réaction de polymérisation vont former cette répétition donc euh, cette répétition entre parenthèses avec nos liaisons représentées par des traits et n qui est le degré de polymérisation donc le nombre de fois que ceci va se répéter alors chose importante qu'est-ce qu'on observe c'est que le C6H12O6 est différent également après réaction de polymérisation c'est C6H10O5 donc il manque il manque pardon donc il manque deux, euh, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, ce qui correspond en fait à un résidu qui est la molécule d'eau. Le résidu produit c'est la molécule d'eau. Pourquoi l'eau bah Tout simplement parce que euh, lors de la réaction, on va perdre un OH d'ici en rouge et un H de l'autre molécule pour former notre molécule d'eau. Et c'est grâce à ça que nos deux euh, monomères vont coller. Donc on le voit au niveau de notre liaison, il n'y a plus qu'un qu atome euh, d'oxygène qui va relier nos deux monomères pour former cette longue chaîne. Donc on a bien cette fois-ci, contrairement à la réaction de à notre polyaddition pour le polyéthylène, on a ici une polycondensation pour former notre amidon, donc dans notre macromolécule naturelle. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une macromolécule est une grosse molécule, donc en général avec un, un indice de polymérisation qui est supérieur à 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Donc c'est très important. Les macromolécules peuvent être synthétiques, donc produites en laboratoire, ou naturelles, produites par des organismes vivants. Par exemple, l'amidon, c'est un glucide, c'est un sucre, est une macromolécule naturelle formée par assemblage de monomères de glucose. Ce glucose va s'assembler en très grandes molécules pour former l'amidon. Le polyéthylène, qui est un plastique, noté également PE, est une macromolécule synthétique formée en laboratoire qui est formée par assemblage de monomères d'éthylène. Donc dans ce qu'on a vu ici, n'oubliez pas, on a vu que le polyéthylène était formé par polyaddition et notre amidon plus par polycondensation puisqu'il y avait production d'une molécule d'eau.